Ça va, Yuji? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, tout va bien. So, Romina, what do you think about the grapes? It looks great. Nous sommes en Bourgogne, près de Beaune, en Côte d'Or. Les vendanges viennent de commencer. C'est le moment qu'on attend depuis un an parce qu'il y a tout le travail de la vigne qui a été fait depuis tout l'hiver. On transforme en fait aujourd'hui un an de travail. Donc c'est crucial. Franck et Frédéric, frères et vignerons, travaillent en agriculture biologique. Les saisonniers qui les aident sont venus du monde entier pour récolter ces raisins convoités. La technique, c'est d'enlever un petit peu les feuilles pour bien dégager tous les raisins. Et puis après, on va venir couper. Parce que comme on est en vendange entière et qu'on a des grappes qui sont très belles, il pleut pas, il fait beau, et on n'a pas de pourriture. À partir du moment où les raisins sont coupés, il ne faut pas trop laisser. Parce que ici, ben, là, on l'a vu ce matin, il faisait frais, mais là, la température est en train de monter. Il faut essayer de rentrer des raisins pas trop chauds. Pour ça, certaines fois, on va même vendanger beaucoup plus tôt le matin ou certains vont vendanger la nuit, par exemple. Cette année, les vendanges sont précoces. La maturité a été accélérée par la sécheresse du mois de juillet. Les pellicules du raisin ont épaissi pour se protéger des UV et se sont chargées de tanins. C'est un millésime très prometteur. Là, on peut voir tout de suite que les pellicules sont assez épaisses. Et il faut que la pulpe se dégage des pépins, quoi. Et on voit que les pépins sont bien mûrs parce que tout est tourné marron, en fait. Puis après, à la dégustation, on va aller chercher les arômes. Donc là, on sent bien tout de suite l'explosion d'arômes en fruits. Et puis après, on peut aller croquer le pépin pour avoir un peu les arômes de noisette qui montrent que le pépin est bien mûr, quoi. Il faut dire que des vendanges, ces vignerons en font depuis très longtemps. C'est une histoire de famille. Toutes les générations sont réunies dans ce domaine viticole. Alors Théo, t'as bien vendangé? Ouais. Est-ce que la qualité des raisins te plaît? On est vigneron de père en fils depuis 8 générations sur l'état civil, en fait. Et avant la Révolution, après, tout a été brûlé, donc on ne peut pas remonter encore plus loin, bien qu'on retrouve des patronymes Buisson depuis le Moyen-Âge à Saint-Romain. Et c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, donc notre grand-père Henri qui a commencé à faire la commercialisation de bouteilles aux clients particuliers directement, quoi. Quand j'ai commencé avec mon père, on produisait 5 hectares, on a cultivé 5 hectares de vignes. Aujourd'hui, on est presque à 20 hectares. Je pense que mon père, qui verrait aujourd'hui 19 hectares en culture biologique avec mes deux garçons qui reprennent derrière, il serait super content, quoi. C'est un métier passionnant. Nous, depuis tout petit, on baigne dedans. Et on s'est rendu compte en grandissant que c'était un métier fabuleux, quoi. Donc, pourquoi pas aller dedans à fond. Ces vignobles ont même été reconnus cet été par l'UNESCO en tant que paysage culturel pour leur particularité climatique. Autour de Beaune, plus de 1200 parcelles diffèrent par la géologie, l'exposition ou encore les conditions météo. Des facteurs qui font la singularité de chaque appellation. Là, on est dans les cortons renards, donc on est vraiment à mi-coteaux. Donc les mi-coteaux, c'est là où on va avoir l'incidence du rayon solaire la plus forte, donc les meilleures maturités. On est sur des sols donc argilo-calcaires, donc l'argile va donner souvent la structure, la chair au vin, quoi. Et puis au nord, on a le plateau de Langres qui ramène quand même des vents assez frais, avec la bise qui va permettre de vraiment assécher les raisins et limiter la pourriture, la maladie. Donc c'est pour ça que le pinot noir se plaît bien ici, quoi. Le pinot noir, c'est le cépage, la variété de raisin rouge qui est cultivée dans la région. La parcelle est enfin vendangée. Allez, une un peu rigolote où on lève les bras. Direction le village de Saint-Romain, où les raisins vont être triés. Des grappes entières vont être mises dans les cuves. On va les emmener via un tapis élévateur dans la cuve, et ensuite, dans la cuve, ça va rester entre 15 jours et 3 semaines. La neige carbonique refroidit le raisin et évite que la fermentation alcoolique ne se fasse trop vite. Plus elle est lente, plus les vins seront complexes. Le vin vieillira ensuite dans des tonneaux en fût de chêne pendant plusieurs mois. La météo va vraiment impacter sur le goût, que ce soit sur la qualité des tanins, les pellicules, l'acidité. Donc là, par exemple, pour 2013, on voit qu'on est sur un millésime où il a fait assez froid. Donc du coup, ça préserve vraiment l'acidité, la fraîcheur et les arômes de petits fruits rouges, quoi. Comparativement avec un 2009 où justement c'était très solaire, il y avait un mois d'août très chaud. Donc on était tout de suite sur la mûre ou le cassis, donc des fruits plutôt noirs. Qu'on boive du 2015, qu'on goûte ça aussi.
En attendant, c'est l'heure d'une petite pause bien méritée pour les vendangeurs et les vignerons. On se ressource pour repartir à la vigne l'après-midi, quoi. La Bourgogne, il y a beaucoup de petits domaines, donc c'est des petites structures, donc il y a toujours un côté un peu plus familial. C'est 10 jours par an où on fait à manger à 50 personnes, donc c'est vrai qu'il y a une proximité, ça permet de tchatcher, de séduire un petit peu de temps en temps aussi, ça sert à ça les vendanges. Comme cette famille, ils sont près de 4000 domaines dans toute la région. En Bourgogne, il existe plus de 80 appellations d'origine contrôlée pour les vins. Les vendanges finiront vers la mi-octobre.